quoi ta ou tes musiques du moment? Je t'adore, continue, j'adore tes vidéos, bisous. Merci beaucoup Perrine, je te fais plein de bisous également. Alors en ce moment j'adore écouter Better Days de One Republic, j'adore cette musique. Aussi le dernier album de Dua Lipa, notamment Hallucinate et Levitating. J'adore, je les trouve tellement entraînantes ces musiques. J'adore aussi le dernier album de The Weeknd, notamment Save Your Tears, oh j'adore, et In Your Eyes. Et puis Falling de Harry Styles. Mais cette musique déjà, elle est trop belle, les paroles sont trop belles et le clip est juste incroyable. Ton attraction favorite à Disneyland, des bisous. Bisous à toi ma belle. Alors mon attraction préférée c'est Phantom Manor, sans hésiter. Bien que je sois légèrement déçue depuis sa réouverture, parce que c'est vrai que le Phantom Manor avait été fermé pendant plus d'un an si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que bah, il en avait besoin hein, clairement. Et pendant ce temps là il y a eu plein de spéculations, de rumeurs comme quoi peut-être qu'il y a avoir Jack Skellington, ou bref qu'il y a des choses qui allaient être changées. Et finalement quand on y est allé, on a vu qu'il n'y avait pas tant de changements que ça, que c'est... Certes, on voit que ça a été rénové, mais il n'y a pas eu tant de changements que ça, et c'est vrai que j'étais un petit peu déçue. Peut-être que mes attentes étaient trop élevées, mais finalement, ça reste et restera mon attraction préférée à Disneyland. Ton avis sur I'm Not Okay With This, perso, j'ai adoré, si tu l'as pas vu, fonce. Eh bien si, je l'ai vu d'ailleurs, je vous en ai parlé dans cette vidéo-là, et clairement, oui, j'ai beaucoup aimé cette série, donc je vous la conseille. Quelles sont tes autres passions? Donc je pense en dehors de tout ce que je vous présente sur la chaîne. Alors je dirais la mode pour commencer, parce que j'adore les vêtements vraiment, et particulièrement les sacs à main. J'ai une petite collection de sacs à main parce que j'adore ça. Le maquillage, et voilà, le maquillage du jour, j'adore me maquiller, c'est une passion que j'ai depuis très longtemps, et j'adore aussi les maquillages effets spéciaux. Ensuite j'adore aussi les tatouages, aussi bien chez les gens, regarder les tatouages chez les gens, que m'en faire moi, enfin je m'en fais pas, mais qu'on m'en fasse et que j'en ai sur moi. Voilà, j'aime le sport, alors c'est pas une passion, une passion de fou, mais j'aime faire du sport. Puis après mes autres passions, bah, vous les connaissez, hein, c'est tout ce qui est séries télé, films, jeux vidéo, livres, donc romans, comics, donc les livres en général, les voyages, la musique, tout ça, voilà. J'adore cette question. Est-ce qu'il y a des passions que Flavien et toi ne partagez pas? Mais alors pas du tout. C'est vrai que effectivement on a les mêmes passions, tout ce qui est geek, tout ce qui est série, film. Bon après bien sûr il y a des séries qu'il adore regarder, notamment la série Suits, que au départ j'aimais regarder, mais finalement maintenant j'arrive plus du tout avec série, je comprends rien, je décroche totalement. Lui il adore, donc bien sûr il y a des séries que lui il aime, et inversement moi il y a des séries que j'aime et que lui n'aime pas, et des films aussi. Et donc voilà. Sinon après on a les mêmes passions. On adore les voyages, on adore la musique, on adore aller au cinéma. Enfin bref, on a plein de passions en commun. Mais oui, nous avons des passions que nous ne partageons pas. Notamment la lecture. Flavien déteste lire, il n'aime pas du tout lire. Bon, ça lui arrive de lire quelques planches de comics quand je viens d'acheter un comics et qu'il est posé quelque part. Et oui, il tombe dessus et il lit quelques planches. Mais sinon, il déteste lire, il n'aime pas les romans, il n'aime pas lire. Et pour ma part, autre passion que je ne partage pas avec lui, c'est le foot. Il adore le foot, que ce soit en faire puisqu'il joue en club, ou alors aller à des matchs de foot, ou alors regarder du foot à la télé, ce qui n'est pas du tout mon cas, voilà. Donc oui, nous avons ces deux passions-là que nous ne partageons pas. As-tu déjà joué à un ou des jeux Pokémon? Si oui, lesquels? Alors j'ai joué effectivement à un jeu sur Nintendo DS quand j'étais plus jeune, quand j'avais la toute première Nintendo DS. Je sais plus le nom, je peux pas vous dire je sais plus le nom, je vous mettrai... l'image juste là. As-tu déjà joué au jeu Batman? Sinon à part ça je t'adore, continue, t'es la meilleure. Merci beaucoup. Jeu Batman, oui, j'ai déjà joué à celui de Arkham Asylum et aussi Injustice. Si tu devais garder qu'un seul comics dans ta bibliothèque, idem pour un livre. Alors en comics je dirais soit Killing Joke, soit Mad Love, c'est vraiment deux comics que j'aime tellement.
vraiment beaucoup, enfin énormément, donc Killing Joke sur le Joker et Mad Love sur Harley Quinn et le Joker. Je dirais quand même Mad Love, même si Killing Joke c'est vraiment mon préféré de tous mes préférés, si je devais en garder qu'un seul, je dirais quand même Mad Love parce qu'il y a Harley Quinn, alors que là il n'y a pas Harley Quinn, et là il y a Harley Quinn et le Joker, donc Mad Love de Bruce Timm et Paul Dini. Et en livre, je dirais, alors là c'est sans hésiter, je vais le chercher, je dirais le manuscrit de Gatsby de Francis Scott Fitzgerald que Flavien m'avait offert il y a quelques temps maintenant, donc c'est l'écriture, donc bien sûr c'est une reproduction, hein, c'est pas l'original, qui est donc, voilà, c'est le manuscrit écrit par Francis Scott Fitzgerald, donc le manuscrit de The Great Gatsby, Gatsby le Magnifique. C'est vraiment un... voilà, c'est une pépite ce livre, vraiment, et en plus de ça c'est un livre qui est numéroté puisque j'ai le... j'ai le combien? J'ai le 544 précisément sur 1800. Et ouais, ce serait ce livre-là. Hello Fanny, hello, j'espère que ça va. Oui, ça va et j'espère que toi aussi. Dis-moi, je me demandais combien tu avais de pop en tout. Bisous. Eh bien, bisous à toi. Nous avons précisément 280 pop. Quand avez-vous commencé votre collection de pop? Alors, nous avons commencé la collection... en 2015, je crois que c'était en septembre ou octobre 2015. Tes vidéos sont trop bien, merci Florent. À quand une vidéo, je regarde vos pop? Alors cette vidéo va arriver, ne vous inquiétez pas, je sais que c'est vraiment une question que vous me posez énormément, que ce soit sur YouTube ou alors sur les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo va bientôt arriver. Si vous avez envie de participer à cette vidéo, je vous invite très fortement à regarder à chaque fois dans la description de ces vidéos là et aussi à regarder cette vidéo où tout est expliqué. Hello! Hello! Déjà, j'adore ce que tu fais. Oh, merci. Continue comme ça. J'adore l'emoji comme ça. Qu'est-ce qui t'a initié au geek? Alors, je dirais que c'est mon entourage, ma famille, notamment ma maman avec qui je regardais Batman en dessin animé sur France 3 le matin. Elle m'avait même acheté des petites figurines Batman avec qui je jouais. Voilà, et après il y a tous les films qu'on allait voir au cinéma, donc Harry Potter, Seigneur des Anneaux, tous les Marvel et DC Comics. Et puis voilà, en grandissant, j'ai vraiment baigné dans cet univers-là. Et puis j'ai initié ensuite mes frères aux jeux vidéo. Et puis j'ai rencontré Flavien avec qui je jouais à Call of Duty, qui lui jouait à Dofus et moi à World of Warcraft, donc on jouait beaucoup ensemble et puis on va beaucoup au cinéma et voilà, et lui il avait cette passion geek et moi je l'avais aussi, donc voilà, ça a intensifié le tout. Et puis après donc j'avais mes amis avec qui je jouais aux jeux vidéo, avec qui je regardais des séries télé, donc on va dire que c'est vraiment mon entourage qui m'a initié à tout cet univers de pop culture. Et voilà. Sinon, si tu ne devais garder qu'une seule forme de goodies, ce serait quoi? Pop, t-shirt, déco? Les pop, sans hésiter, et en seconde position, je dirais les figurines que nous avons dans notre vitrine, parce que ce sont vraiment les premiers produits dérivés qu'on a commencé à collectionner en 2012, 2013, je sais plus. Donc c'est vraiment les premières figurines, et puis voilà, après on a eu Superman, le Joker, Aquaman, et en seconde position, je dirais ces figurines-là, sinon ce serait les pop, sans hésiter. Quel est ton membre préféré du club des ratés? Waouh! En fait... je les aime tous, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour Bill, pour Richie et Eddie, et aussi Beverly, donc c'est vraiment mes quatre chouchous. Mais si je devais en choisir qu'un, Bill, je pense. Quelle est ta scène dans sa chapitre 1 et dans sa chapitre 2, donc préférée, j'imagine? Donc ce serait dans sa chapitre 1, la scène d'ouverture avec Georgie, sans hésiter. Je dirais aussi le moment où ils ouvrent des portes, donc c'est Richie et Bill, ils ouvrent des portes dans le manoir. J'ai adoré, enfin j'adore ce moment. Et dans le 2, il y a plein en fait, il y a trop de scènes que j'adore dans ces deux films. Sinon dans le 2, je dirais le combat final. Ouais. J'ai tellement peur de Pennywise, ça se soigne. Je voulais regarder le 2 mais je n'ose pas. Alors tu peux regarder le 2. Si t'as vu le 1, franchement regarde le 2 parce qu'il fait pas spécialement peur en fait. Je vous invite à aller voir ma vidéo d'ailleurs sur mon avis sur ça chapitre 1 et donc sur ça chapitre 2. Et du coup je pense que oui ça soigne parce que bon, moi avant j'avais peur des clowns, clairement j'avais peur des clowns. Depuis ça j'adore Pennywise, mais c'est vrai que si j'en croise, si je croise un clown dans la rue, c'est pas pour autant que je vais aller vers lui, au contraire je vais plutôt m'en éloigner, donc je suis soignée qu'à moitié. Voilà, c'est vrai que même depuis Pennywise les clowns me fascinent, mais si j'en croise dans la rue
Je sais pas, voilà. Ton film préféré, Gatsby le Magnifique et Bohemian Rhapsody. Les trois films d'horreur qui t'ont marqué, même si je m'en doute, pour deux. Eh bien, je dirais Halloween, vraiment, parce que ce sont les premiers films d'horreur que j'ai commencé à regarder avec ma maman. Donc Halloween avec notre très cher Michael Myers. Ensuite, je dirais La Maison de Cire, clairement. La Maison de Cire, ce film-là. Oh. Et ex aequo, je dirais ça, ça de 1990, et Saw aussi. Pour ou contre un film sur les origines de Pennywise, je suis absolument pour, mais si Stephen King est là pour donner ses idées, parce que j'imagine qu'il a des idées vraiment bien arrêtées sur les origines de Pennywise, donc du coup j'aimerais que Stephen King contribue à ce film pour donner sa version des origines de Pennywise. Donc dans ce cas-là, ouais, je suis absolument pour, parce que j'ai pas envie que les scénaristes inventent quelque chose à leur sauce, non. Je veux que Stephen King soit là pour donner son avis. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère avoir répondu comme il se doit à vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez bien. Voilà, j'ai vraiment envie de savoir si vous allez bien, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!